Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau duel versus en compagnie de Marvin. Marv 1. Et oui, c'est un Marv et un 1. Mais il est où le deuxième? Qui nous joue son deck de prédilection, le deck Cristalline. Voilà, Marvin est un gros Staline. Fan. Ok, crie, c'est ok. On applaudit la blague. Yeah. Et moi je vais jouer Gadget, voilà, parce que Marvin adore jouer bête cristalline. Oui. Mais comme c'est impur, bah je vais pas prendre un gros deck qui va le dépouiller en 2-2. Marvin a appris très récemment à jouer les X's, les synchros, très récemment. Bah il y a moins de 24 heures, disons. Officiellement, officieusement. Bah oui, non, mais oui, il y a moins de 24 heures. Oui. Alors attends, alors, ça c'est cette carte là. Ah, tu triches encore? Bah oui, évidemment. Celle-là, faut que je la mette là, avec celle-là. Ah bah oui. Ok, bon, on n'est pas en tournoi officiel, donc on coupe pas les decks des autres, on se fait confiance, on risque de faire de mauvais moves, mais voilà, on est là pour s'amuser. Non, mais commence par regarder tes cartes, on va pas encore décider qui quoi. Tu remets là. Il triche déjà. Mais j'ai l'habitude de prendre mes cartes à chaque fois. Voilà, c'est bon, t'as mélangé. Allez, Pierre, devant la caméra, comme ça on voit qu'il n'y a pas de triche. Pierre, papier, ciseaux. Ok. Pierre, papier, ciseaux. C'est pas vrai, Pierre, papier, ciseaux. Ah, voilà, tu choisis. Je commence en premier. Ok, tu commences en premier, bah let's go. Et t'as pas le droit de prendre tes cartes, tu en mélanges. Mais si, j'ai le droit. T'as dit que tu commençais, c'est bon. Non mais oh, tu m'apprêtes pour le dernier des imbéciles. Oh non. Tac, tac, tac. Alors. Ok. Ah oui, ok. Alors, je vais mettre une carte face cachée pour commencer. Ok. Et j'attaque tous tes points de vie. Ah ouais, bien sûr. Et ensuite, je vais terminer mon tour. Ok. Ok. Oui. Bon, bah, moi, là, j'ai pioche. Ok. Alors, moi, je vais poser une carte face cachée. Ok. Et je vais invoquer. Le gadget rouge qui me permet donc d'aller chercher le gadget jaune depuis mon deck pour l'ajouter à ma main. Voilà, un gadget jaune, je l'ajoute à ma main. Je passe en battle et avec mes 1300, je vais attaquer ton monstre. Putain, c'est la tortue, je suis deck. Et putain, c'est la tortue dès le début. Allez, je prends 700 dans la tronche. Hein. Bah, tu te doutes bien qu'il y ait une carte. Ah oui, non, mais oui. Non, mais... Non. Bah écoute, à toi, j'ai envie de te dire du coup. Hein. Mais tout le vent derrière. Le vent derrière, oui. Alors, je vais jouer l'arbre de l'arbre cristallin. Du coup, chaque fois qu'un ou plusieurs monstres bêtes cristallines sont placés dans une zone magique piège, placez un compteur cristal sur cette carte. Vous pouvez envoyer cette carte au cimetière. Prenez un nombre de monstres bêtes cristallines depuis votre deck égal au nombre de compteurs cristal qui étaient sur cette carte et placez les face recto dans votre zone magie piège quand magie. Tu sais ce que ça veut dire ou non? Non. Mais ici. Donc, je vais lire du coup. Mais t'es quoi? Bah je sais pas. Et t'as cru que j'étais te bête. Ah ouais, à chaque fois que je t'en détruis un. Ok, tu places un compteur dessus et tu peux. Ok. Ok, ok. Et après t'invoques spécialement des monstres. Et j'invoque Pégase de Saphir en mode attaque. Ah non, pas Pégase. Eh oui. Et boum. Je t'attaque. Tu fais l'effet ou pas? C'est pas quand elle tape Pégase, elle a pas. Ah non, c'est le tigre qui a l'effet, je crois. Oui. Ok, d'accord, donc ça marche. 1800, ok. Donc très bien. Je vois que ça veut directement. Attends, j'ai oublié l'effet de la carte. Lorsque cette carte est invoquée, vous pouvez placer un monstre en bête cristalline depuis votre main, deck ou cimetière, face recto dans votre zone magie de piège, quand magie continue. Si cette carte face recto est détruite dans une zone monstre, vous pouvez la placer. Voilà. Du coup, je vais aller chercher une petite carte bête cristalline pour la placer. Et hop, je vais mettre celle-ci dans la zone. Et je vais mélanger mon petit deck. Hop. Voilà. D'accord. Mais oui. Et on n'est pas fortiche, nous. Ah, je et du coup, je finis mon tour. Ça marche, je draw. Du coup, là, il y a un compteur pour la carte magique, comme ça a été placé. On refait les pogs, comme il... Ouais. C'est les aléas de l'enregistrement. Oh merde, je peux vous montrer. Mais attends, on les a foutu les... Ah si, ils sont... Ah bah attends. Oh, il y a le chat. Il me regarde. Attends, j'ai des... Je sais pas comment ça s'appelait ça dans les pogs, là, les trucs...
Tu sais que tu tapais avec. Ouais, oui. Sinon là il y a des jetons Pokémon aussi. Oui bon ouais, c'est des jetons. On met ça sur le côté, hop. Voilà, là, on a la flemme de chercher des dés. Oui. Et je finis mon tour. Ok, ça marche. Donc du coup je pioche. Mais j'ai déjà pioché. J'ai déjà pioché. Mais si parce que tu m'attaques. Donc si bah oui tu m'as. Mais attends, ah oui, t'as retiré tes points de. Oui oui j'ai retiré, ah, t'inquiète. Ouais, triche pas hein. Attention. Moi j'ai invoqué le gadget jaune. Qui me permet d'aller chercher un gadget vert et de l'ajouter à ma main. Ça y est, j'ai pris l'habitude de pas montrer mes cartes. Ça y est. C'est bien, ça y est, ouais. Parce que pendant les lives, Marvin aimait bien montrer toute sa main. Et moi, quand je voyais le retour du live, je faisais « Ah, mais c'est sympa, ça, comme carte dans ta main. » GG, Marvin. Hein. L'œil du millénium, il est juste là. Non, Et c'est la webcam. Bah non, là, c'est la caméra qui est. Et je dis que c'est à toi. Mais pourquoi tu restes en mode attaque depuis tout à l'heure? Il y a un truc qui va pas. Ah, ça commence à... Hein, oui, oui, oui. Alors... Ok, je vais activer... Enfin, invoquer mon chat d'améthyste. Oh là là. Et avec mon Pégase de Saphir, je vais attaquer ton gadget jaune. Gadget jaune. Ok, donc je perds 600. Plus 1200 comme je t'attaque juste après. 600 et 1200 après. Oui. Ah là, il m'a 5100. Quel fortiche ce Marvin! Et oui, et je finis mon petit tour. Ok, un de face, ça marche. Ça me perturbe que les cartes elles soient pliées comme ça. Dire que quand j'étais petit, je posais ça. Puis j'ai invoqué le Caporal Amorceur Dynamo de Commandant. Non. Vous pouvez cibler deux monstres gadget machine que vous contrôlez ou dans votre cimetière de noms différents. Invoquez spécialement cette carte depuis votre main, donc à l'invoquer spécialement. Et j'équipe ces cibles à cette carte. Donc les deux gadgets sont équipés. Elle gagne 1000 d'attaque pour chaque gadget qui est équipé. Ah oui, du coup ça fait 2000. Exactement. Je sais compter. C'est trop fort. Du coup, j'ai invoqué ensuite le gadget vert. Qui permet donc d'aller shooter un gadget rouge et l'ajouter à ma main. Oh là là, le gadget rouge. Hop là, je l'ajoute à ma mimine. Voilà, voilà. Il mélange. T'as vu ça. Et ensuite, à 2000, je vais attaquer ton Pégase. Oh non, piou. Du coup, je le mets en zone magie piège et je rajoute un deuxième petit jeton. Et avec le gadget vert, je vais attaquer Chat d'Améthyste. T'as combien d'attaques? 1200, ouais. Putain, super top. T'as perdu 2 fois 200, ça va, Michel? Et je rajoute un. Attends. Merde, qu'est-ce que je fais moi? Là, tu peux pas le faire maintenant. Par contre, du coup, j'en ai détruit 2, donc t'en as un troisième si je dis pas de bêtises, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ce que je voulais faire. Du coup, j'en ai 3. Ok, c'est à toi. Je pioche. On est en mode chill, hein, comme vous pouvez le voir. C'est des petits decks fun, donc on se prend pas la teuté. Alors, du coup. Ouais, non, c'est. Du coup, est-ce que si j'en ai 3, je peux l'activer vu que du coup, bon, je pourrais en choisir que 2 quoi? C'est 2 maximum? Non, je peux en mettre un nombre infini, mais du coup, comme je vais avoir que 2 emplacements, est-ce que du coup, je peux juste l'activer, mais du coup, j'en aurai que 2. Oui, pour moi, tu peux. Enfin, je vois pas où est le problème. C'est pas marqué que c'est une obligation d'en mettre. Donc, oui, tu peux. Quoi, c'est... Ah oui, non, ok. Du coup, je vais activer l'effet de la carte. Je vais retirer tous mes jetons. Tac. Je l'envoie au cimetière. Et. Ok, c'est ça. Depuis mon deck, à l'heure. Du coup, ça en fait 3. Alors. J'ai. En théorie, t'en prends que 2. Oui, bah oui. Ouais. Ça sent le dragon là, vous le sentez le dragon arc-en-ciel? Ouh là 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 là! Allez, il en manque plus qu'un, il en aura 6. Il manque l'aigle.
Ouais, l'aigle. Voilà. Je mets dans mon deck. Mais après, faut qu'il y ait le dragon dans la main et le terrain ou je sais plus quelle carte on a voté, je crois. Mm-hmm. C'est pour ça qu'on joue chill, parce que si jamais cristalline sans extra deck, c'est un peu plus compliqué. Ok. Ton monstre là il a toujours 2000. Ouais. Et je vais du coup passer mon tour. Ça marche, je pioche. Et je crois que j'ai fait une bêtise. Ok, bah le choc en train de faire c'est gris, super. Je vais activer pouvoir bloc la batterie ambulante. J'invoque spécialement cette carte quand un monstre machine à effet. 0-2000. Et je peux équiper un monstre gadget de niveau 4 depuis mon main. Et je le ferai pas. J'ai juste invoqué le soldat amorceur dynamo redoutable. Mmh. Tant que je contrôle un monstre gadget, cette carte gagne 2000 d'attaque. Mmh. Et je contrôle un monstre gadget. Du coup, toi, t'as toujours 2000. Mm-hmm. Donc, pour l'instant... bah, ça bloque tout. Pour l'instant, tu me casses bien les couilles. Mm-hmm. Je vais dire... End phase. Je suis bloqué de partout. Je sais pas si je peux en équiper plusieurs par tour de gadget au caporal, mais je crois pas. Il y a marqué 2 max par tour, mais ça, est-ce que ça veut dire qu'au prochain tour je peux. Je sais pas ça. Mais si vous le savez, dites-le dans les commentaires. Le caporal lanceur. Ah, c'est compliqué là. Du coup, c'est écrit une fois par tour, vous pouvez en renvoyer une carte bête cristalline face recto que vous contrôlez. C'est si elle est comme monstre, pas en magie piège. Ok, ce que je me doutais. Aïe aïe aïe. Il n'y a pas une autre petite carte. Oui, ben non, ben je me suis bloqué comme on attendait. Hein. Ah, bah si des choses qui arrivent, je finis mon tour. Ok, je pioche. On est un petit peu bloqué. Parfait. Alors, je vais utiliser elle comme un monstre machine. Et elle comme un monstre machine. Non. Pour invoquer le gadget platine. Ensuite, je peux invoquer spécialement monstre machine de maximum niveau 4 depuis ma main dans une zone pointée par cette carte. Donc j'invoque spécialement le gadget or. Qui lorsque cette carte est invoquée normalement spécialement, je peux invoquer spécialement un monstre machine de maximum niveau 4 depuis ma main. Donc je vais invoquer spécialement le gadget rouge qui me permet d'aller chercher le gadget jaune et de l'ajouter à la main. Il doit m'en rester un de gadget jaune. Ça va, le chat tranquille sur la table à descendre Pixie. Allez. Hop là, j'ajoute le gadget jaune à ma main. Non, tu descends, Pixie. Hop. Elle veut jouer, mais elle sait pas jouer. Et du coup, derrière moi, j'invoque normalement le gadget jaune qui me permet d'aller chercher le gadget vert et de l'ajouter à un. Du coup, je sais pas pourquoi j'ai mélangé. Et mon chat est en train de gratter dans sa caisse pour essayer de prendre la Chine. Le gadget vert et je l'ajoute à ma main. Et en creusant, il va attraper le coronavirus. Pourquoi le coronavirus? Et là, je me dis que j'aurais dû mieux faire de prendre un meilleur extra deck. Puisque bah là j'ai pas pour l'instant de puissance d'attaque avec ce deck. Avec son putain de monstre à 2000 là, il me casse les nukis. Je pourrais tout débloquer, mais bon. Bon, on va ajouter une de mes règles, c'est qu'on Non, on ajoute pas tes règles, non, commence pas. Ok, ben je vais dire end phase pour l'instant. Vas-y. Il y a des chances qu'il gagne en fait. Donc j'ai une seule carte qui pourrait me sortir de tout ça. Enfin j'en ai 2-3, mais elles sont dans le deck et j'ai pas mal des tutos. Du coup le gel va être un peu long je pense. Alors que fais-tu mon cher MARV1?
contrôle RPZ le Marvin. Il est concentré. Régie d'orange. Ok. Je vais activer. Oui, c'est bien une carte de terrain, on est d'accord. Oui. Oh putain, c'est chaud. Du coup, vous devez avoir autant de pétristaline dans votre carte magie piège pour activer un de ses effets. Et du coup, le dernier effet, c'est une fois par tour durant votre main phase, vous pouvez cibler un monstre pétristaline dans votre zone magie piège, invoquer spécialement la cible. Du coup, tiens, je vais prendre mon petit peu de gaz. Et du coup, ceci va me libérer pour activer l'abondance du cristal. Quentin, tu connais les effets. Non, je connais même pas les effets en plus. Mais je sais que ça pue, je sais pas pourquoi. Envoyez au cimetière 4 cartes bêtes cristallines depuis votre zone magie piège. Envoyez au cimetière toutes les cartes sur le terrain, puis faites l'invocation spéciale d'autant de monstres bêtes cristallines que possible depuis votre cimetière, jusqu'à un maximum égal au nombre de cartes de votre adversaire envoyées au cimetière par l'effet de cette carte. Alors, moi je chaîne explosion provoquée. Lorsqu'une ou plusieurs cartes que vous contrôlez sont détruites par un effet de magie, ciblez une carte contrôlée par votre adversaire, détruisez-la. Donc je détruirai celle-là, moi. Donc tu détruis tous mes monstres, c'est ça? Oui. Alors détruit. Détruit. Alors il y a un autre effet aussi sur la carte, mais du coup je sais pas s'il peut. Ah bah du coup elle est pétée. Donc c'était quoi l'autre effet? Lorsqu'une carte magie piège est activée, vous pouvez envoyer un monstre bête cristalline que vous contrôlez aussi. Bah c'est un seul des effets partout, il y a écrit la fin. Ouais, je crois que c'est ça. Mais bon, dans tous les cas, ça annule pas mon truc. Et bah, t'avais 5 cartes sur le terrain, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, du coup, j'en invoque 5, normalement. Et du coup, c'est tous les monstres qui vont... Mais attends. Quoi, j'en ai 2 en plus, là, j'en ai 5, 6. Vu que du coup sur la carte. Mais celle-ci, si cette carte est détruite au combat ou par un effet de carte, je peux invoquer spécialement notre gadget de niveau 4 depuis mon deck. Mmh. Déjà, je vais faire celui-là. J'invoque le gadget argent, parfait. Et gadget platine, cette carte est détruite au combat ou par un effet de carte, je peux invoquer spécialement notre gadget de niveau 4 depuis mon deck. Invoquer. Du coup, t'as combien de cartes qui sont parties là, gars, avec cette carte? Ça, j'en ai eu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, du coup, bah, je prends 6 cartes. Ensuite, donc effet le gadget argent lorsqu'elle est invoquée spécialement, je peux invoquer spécialement un monstre machine de niveau 4 depuis ma main. Le gadget or, pareil. Du coup, je vais invoquer le gadget jaune et le gadget vert. Et normalement, donc je vais chercher un gadget vert et un gadget rouge pour ajouter à ma main. Je crois que j'en ai plus, je crois qu'ils sont tous dans le cimetière. Bon, dans tous les cas, je vais invoquer. C'est la merde. Je vais invoquer celle-ci, elle m'arrête. Vas-y, fais, Michel, fais. Bon, déjà, c'est de la merde. C'est la muerta. Hop, tac. Vas-y. C'est long, tu pourras jouer plus tard avec ton jeu, s'il te plaît, mon chat. Donc, oui, là. C'est combien la taille? 1200, 1400, 1700, 1500. D'accord. Ok, et. Petit monstre, t'es mort. Putain. Évidemment. Attends, ça détruit toutes les cartes sur le terrain ou juste les monstres? Alors. Envoyez au cimetière Canada depuis votre zone. Envoyez au cimetière toutes les cartes sur les terrains. Puis faites invocation spéciale, du coup c'est toutes les cartes. Ok, donc même celle-ci, ok, ça marche, putain, fais chier. Ouais, mais du coup ton piège. Ton piège, t'aurais pu l'activer du coup. Oui, je peux te chaîner dessus, bien sûr. Okay. Au moment où tu l'actives, je peux te chaîner dessus. Ouais, du coup, bon. C'est un peu nettoyé. Ça détruit, mais ça annule pas l'activation. Ça annule pas l'activation des cartes. Ah, tiens, il fait le judge. Tu fais le judge, mon chat. Ensuite, alors j'ai combien de cartes? Non, j'en ai qu'une. Oui. Salut. Ouais. Bah du coup je vais passer en mode attaque, hein, écoute. Vas-y. Alors... En battle phase, tu veux dire, mais... Oui, en battle phase. Alors, 1800, je vais attaquer ton monstre là à 1700, avec... Ok, donc je perds 100. Ouais, tac. Enfin, on perd un peu de points de vie, ok. Ensuite, celui-là il est à 1500, j'attaque avec celui-là. Je perds 100 à nouveau. Ensuite, 1200 et 1400.
Tac tac tac, 1400 avec celui-là, du coup. Donc je perds 200. Ouais. Et j'attaque directement tes points de vie avec celle-ci. Donc, mais du coup, 600 points d'attaque. 600, je prends seulement. Ok, ça marche. Et c'est la fin de mon tour. Ok, à moi, je pioche. Toutes les cartes que tu as au cimetière. Et je pioche la carte qui peut te battre maintenant que j'ai plus de monstres sur le terrain. Oh, bordel. Ça se trouve, on n'a pas du tout respecté des cartes et tout. Si, je crois. Moi, je vais invoquer Soldat Amorceur Dynamo Redoutable. Tant que vous contrôlez un monstre gadget, cette carte gagne 2000 d'attaque et je vais lui occuper Destruction et Pioche. A chaque fois que je détruis un monstre de l'adversaire au combat et je l'envoie au cimetière, je pioche une carte. Du coup, à 2000, je vais taper Pégase. Donc tu perds 200. Putain, ça part vraiment en petit. Ah, mais attends, mais... Oui, et voilà. Oui. Du coup, je pioche une carte, j'ai détruit un de tes monstres. Ok, Google. Et après, à 1400, je vais taper ton chat métiste. Donc tu perds 200. Putain, c'est vraiment petit à petit. Hein, c'est attends. Lorsque cette carte est invoquée, vous pouvez placer un monstre bête cristalline depuis votre main dès que le cimetière face recto dans votre zone magie piège. Du coup, comme elle était dans le cimetière et que je l'ai remise sur le terrain, c'est comme si elle avait été invoquée. Oui, non, mais alors ça, t'aurais dû le faire avant, premièrement. Je veux bien être gentil, mais... Oui, mais ça concerne que les... Alors ça dit lorsque cette carte est invoquée, ça dit pas normalement ou spécialement. Mmh. Oui, bah tant pis. Donc moi, j'estime que oui, tu pouvais, mais tant pis, fallait le faire avant. Faut pas exagérer, comme tu dis si bien. Du coup, une phase à toi. Fais chier. Hein. Fais chier. Ça aurait changé la donne. La donne. Bon, je crois que c'est la fin des haricots pour moi. Ouais. J'en ai combien maintenant? Bah, tu m'avais pas pété un monstre. Ah, bah oui, non, je l'ai vu. C'est le principe du deck de cristalline, Marvin. Ah bon? Oh merde alors. À cause de cette putain de tortue de 2000 là. Aïe. Bon, je vais passer en battle phase et avec mon petit tigre, je vais attaquer mon petit gadget vert. Ok, donc je perds 200. Mais du coup, ton gadget aussi perd des attaques. Bah, du coup, j'ai 0 d'attaque maintenant, oui, tout à fait. Quand je disais que c'était la fin des haricots, hein. Du coup, bah, avec. Bah, dans tous les cas, c'est pareil. 2 et 1004 dans la gueule, j'ai compris. Il me reste 1300. Heureusement que la tortue est levée. Non, ça va aller à 600. Ok, c'est la fin des haricots. Oui. Et je finis mon petit tour. Ok, je pioche. Et voilà. Allez Pegasus, vas-y. J'ai invoqué le gadget or et je peux même pas faire son effet parce que j'ai un autre dans la main et je pose une autre carte. Et à 1700, je m'en fous, je vais me battre jusqu'à la fin, j'ai tapé le chat à 100. Du coup tu perds 100 points de vie. T'es à 7100, je suis à 1300, qu'est-ce que j'espère, quoi, sérieux. Oh putain, avec un vieux deck gadget, quoi. Ah, ça sera fun, je vais jouer gadget, que j'ai dit. Oh, bon sang de Banzai, qu'est-ce qui m'a pris. Ok, je la passe ici. Ok. Oh, dommage que c'est pas moi qui... Putain, j'aurais pu attaquer avec... Le tir, oui, faire l'effet, tout à fait. Ouais. Plusieurs fois, mais j'ai rien dit, je me suis dit, vraiment, ouais. C'est à toi. Oui, oui. Du coup, je pioche. Bah oui. Regarde, en plus, tout ça. Je dois piocher ou je dois pas piocher. Je sais pas jouer. Hein. J'ai jamais joué. Parce que c'est la carte que j'ai en main, je suis tellement dégoûté, tu mets tout pété, putain. Putain, fais chier, j'ai encore que... Peut-être qu'il y a une carte qui va pop, tu vois, on sait jamais. Non. Bon bah... Du coup, je vais être obligé de... Combien ton monstre de merde, là, 1700? Va-t-il être intelligent? Alors,
je vais activer la libération de cristal. Ça fait quoi ? Équipable uniquement à un monstre bête cristalline, il gagne 800 points d'attaque lorsque cette carte est envoyée depuis le terrain. C'est bon, t'as gagné, vraiment. C'est bon, on va pas chipoter là, c'est bon, tu l'équipes, tu détruis, hein, je prends des points de vie dans la gueule, tu tapes à 1200, il me reste 1300, t'as gagné, bravo à toi. J'avais le golem rouage ancien dans la main, hein, qui attendait que ça d'être invoqué, mais bon, visiblement, le bête cristalline est plus fort que Gadget. Un beau dragon. Ah bah oui, il allait avoir le dragon, forcément. Il me restait encore quelques cartes à voir, mais... Mmh. Ah, si j'ai eu la petite... Oh, tu m'étonnes, la sphère explosive contre un deck comme le tien, moi, c'est pas tellement... Cool, ouais, c'était ça dont j'avais besoin, c'était Fortin, la forteresse ambulance, pour avoir un 3000-3000 avec les gadgets, mais... Il n'y a pas un seul qui est tombé, quoi. Faut savoir mélanger ses cartes, Quentin. Bon, on va arrêter l'épisode ici. En tout cas, bien joué, Marvin. Barrière Covid, je ne te serre pas la main, je te check. Sartek. Hey, tu m'as touché le coude, hein. Je prends monsieur, attention, hein. Ah, faut pas plaisanter avec moi, faut pas plaisanter. Oh, bon, bah, merci à vous d'avoir regardé cet épisode. On se retrouve peut-être bientôt pour un autre duel versus, puisque je pense qu'on testera le deck qui va sortir que tu veux, les bêtes sacrées. Ah oui, oui, ça oui. Ça pourrait oui, être sympa. Oui, moi, je fais un deck du égyptien que je fabriquerai, entre guillemets, quoi, et toi, on fera ça. Allez, bisous à tous et à bientôt. Bye bye. Coucou. Ah oui, tu as pensé.